Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de services avec des conditions favorables au développement du secteur afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits.